Bonjour et bienvenue dans Little Big Workshop. On a 12 commodes hautes à vendre. Ça va rapporter pas mal de fric. Voilà, il y en a ici. Très bien, très bien. Ça fonctionne pas mal du tout. Ça va rapporter beaucoup d'argent, je pense. Et je vois qu'on vient de franchir un palier en recherche et développement. Plus de 25 000 et j'ai 49 600. C'est cool, ça. On a combien? 6 points. Ouais, génial. Alors ça, c'est quoi? Étant la limite d'ouvriers recrutables. Ouais, on va la passer à 20. Ça, c'est les godasses de sécurité qui réduit le risque de chute. Il n'y aurait pas autre chose de plus intéressant. Spécialiste de travail du métal. J'en ai pour le bois, mais j'en ai pas pour le métal. Et ça... Ah, là, on pourrait construire d'autres zones de déchargement et de chargement. C'est pas mal. Marketing direct. Lien haut placé, du lobbying. Réduit le prix des parcelles de 40% et le prix de la location de 20%. C'est pas mal, ça. Spécialiste de l'assemblage. Tiens donc. Allez, on va prendre ça pour réduire le coût. Oh. Ah, j'ai plus qu'un point. D'accord. Bon, ben, c'est pas mal. Ok. Alors, on est toujours à nos commodes, là. Et on n'a pas commencé l'outil de cuisine multifonction. Enfin, si on l'a un peu commencé, mais... pas énorme. Attention, il faut réparer ça, ça, la machine là et celle-là. L'étape, on va réparer celle-là. Ici, il n'y a rien de particulier à réparer là-haut. On pourrait peut-être, alors ça demande quoi déjà? Afficher l'offre. Bon, le prix est encore bon. C'était quoi le plan produit là? Ça va faire travailler la moulure, c'est du métal je pense. Ok. On les laisse faire, je vois des rouleaux ici. Des rouleaux de métal certainement. On est pas mal. Après je débloquerai une autre zone de chargement, déchargement. Et là, comme on a un petit peu d'argent, on pourrait, pourquoi pas, est-ce que j'ai ça? Parcelle, remodeler, zone. Intérieur, extérieur. On va mettre un petit panneau, un double panneau ici, pourquoi pas. Pof. Voilà, qui indique où on est. Salle de repos, non. Là, on va mettre, pourquoi pas, un extérieur. Un petit truc là à côté des poubelles là. Voilà, et on va commander ça 7000, 6000 de rien. Ok, vas-y, envoie le camion. Allez, il va monter le panneau d'assemblage. Voilà, pas mal. Ok. Alors ici, je pourrais agrandir davantage la salle de façon à rajouter encore quelques tables de montage. Ça me plairait bien, ça. Oui, remodeler. Donc on va partir d'ici et on va aller jusque là. Ok, je peux pas commander, bien sûr, parce qu'il me faut détruire le mur là. Paf, voilà. Ok, très bien. 5000, waouh, allez, c'est bon. Et je pourrais éventuellement agrandir, j'allais dire, ma zone de réception des marchandises, peut-être, peut-être, ouais. Je vais commencer assez bas de façon à mettre les tables comme il faut. Là, il y a le couloir qu'on pourra continuer. Ici, on va peut-être pouvoir recréer encore une salle. Ouais, j'ai la place. Nickel. Alors, on a quelques commodes éventuellement qu'on peut vendre. On en a combien? 7. On va attendre. Voilà, c'est bien. Félicitations, les transitions dans la vie de 1000%, c'est gratuit. Hein, quoi? Facilite les transitions. Porte 5. Ah, j'ai fait démolir. Qu'est-ce que j'ai dit?
Ah, il a enlevé la porte. Pause. Non, 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 non. Je vois pas pourquoi il a enlevé la porte ici. Là, c'est moi qui ai fait les conneries. On va la remettre où elle était. Allez, en plus, ça coûte rien les portes. Sans. C'est parti. C'est pas bien large, je trouve, la zone de chargement là. Bon. Alors, on va voir. On a démarré une nouvelle période. On a un défi avec Crazy Steve. Ça serait bien, lui, tiens, que on s'en occupe, on le fasse. Le plan, on l'a en principe pour les étagères. Ici, il nous reste à choisir 2, 5, 16. Il nous faut un truc vachement stylé. Ouais, celui-là, on va voir. 10, on n'y est pas encore. Et on prend celui-là, 13, on n'y est pas encore. Et là, on va prendre encore un truc hyper stylé. 2, 16, 2, 16. Oh, bien. Oh, il me faut acheter une machine ici. On va aller voir là. C'est la scie à ruban. C'est pour le bois, ça. Ouais. Alors, pour le bois, on a encore de la place quelque part par là. Il y a la plante qui me gêne. C'est un défi, alors on va essayer de le faire assez rapidos. Si je le mets là. Ouais, je vais le poser là. 5000, ouais. Et la plante là, on va la déplacer là-bas. Voilà, comme ça je pourrais reculer le truc là. Combien il me faut dans le plan là? Il m'en faut 2 heures. Le défi, il en faut 14. Ouais. Quantité 14. Est-ce qu'on les fait par lot ou pas? Ouais, c'est par lot de 5. Ouais, on va faire comme ça. Ça demande 2 heures en tout. Ouais, non, ça va aller, ça va aller. Amener la machine, les gars. On va juste la déplacer. Là. Voilà. Ah, ouais, c'est bon. Allez, quelqu'un vient la monter, merci. Bien, mais il me semble que j'en ai trois. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. J'ai trois machines différentes ici. Éventuellement, je pourrais agrandir en largeur cette pièce de façon à avoir un petit peu plus de place. Ok. On n'a pas fini les commodes encore. On n'a pas vraiment commencé les outils multifonctions. Mais par contre, tiens, ce que je vais faire avant de lancer le défi, c'est rajouter quelques postes d'assemblage. Alors, on va les mettre. On va mettre un là. Ça coûte cher, ça. Ok, on va remettre un second. Ouais. Allez, on va encore en rajouter un là. Encore un autre. Et puis éventuellement je redescendrai un peu plus. Motivation moins 20. Ok. Décoration intérieure. On va remettre une grande plante ici. Donc là du coup on est monté à combien? Motivation 0. Bon la pièce est très grande, c'est pour ça. J'ai pas de machine à boisson. Ok, on va en mettre une quelque part par là. Ça va remonter énormément le truc. Motivation 30, parfait. On va lier le tableau qui est ici. On va lier toutes les tables. Voilà. Ça roule. Et là. Ok, je pourrais rajouter des zones de stockage, c'est pas très gênant. Voilà, faites ça les gars, on va livrer. Il n'y a pas le camion? Si, il y a un camion là encore. Il vient faire quoi lui? Ah ouais, il est venu livrer la machine à flotte.
et la grosse bébête. Donc on a quatre zones de stockage ici, enfin de quatre zones d'assemblage x2. C'est parfait. On a presque fini nos. On va livrer là ces 9 commodes, ça va rapporter un peu de sous. Et on n'est pas à la fin de la période. Je vais ensuite démarrer le défi. Il faut vraiment qu'on le réussisse. Il faut que je le mette en premier. Je vais attendre que il soit tous rétablis. Il y a pas mal de travail de bois avec ces commodes là. Ouais. Bon, on le tente ce défi. On était là. On va assigner donc les différentes étapes. Les tables de montage, ça sera ici. La découpe droite, ça sera. Ah, on va la mettre sur la nouvelle machine. Ok. La découpe courbe. Ah, ça vient ici aussi. C'est un petit peu embêtant. Et là aussi, j'ai encore une découpe droite que je vais lier sur l'autre. Ici. Ok. Allez, c'est parti. Et on va le mettre en premier. On fait des grandes étagères pour Crazy Steve. J'espère que ça va augmenter un petit peu notre réputation avec lui. Il faut vraiment qu'on réussisse ce défi. Allez, les gars. On est dans le rouge pour l'instant. Allez, venez bosser là, venez bosser. On est toujours dans le rouge. Ça y est, on a commencé à rattraper un tout petit peu le retard. Attention aux machines qu'elles ne tombent pas en rade. Voilà, et nos tables de montage, on va faire celle-là, celle-là. Voilà, on va les réparer toutes. On en a encore plein de dispo. Allez les gars, il faut vraiment qu'on réussisse ce défi-là. Des fois on parle lot de 5, donc ça devrait le faire. Ça commence à assembler, c'est les tiroirs qui fait là. Personne ne vient bosser ici, je pourrais spécialiser bientôt des gens pour l'assemblage, pour le bois, pour un tas de trucs. Là, la motivation, elle est de moins 5 parce que j'ai rajouté des machines, bien sûr. J'ai un tas de plantes déjà, je vais pas pouvoir. Je mettais une machine pour boire là, mais je n'ai plus la place. Ou alors je la mets comme ça. Ouais. Voilà. Ça leur fera du bien. Motivation 25. Motivation 30. 11. Et là 30. Bon, ça va. On est à 35%, 36, 37. On a sorti aucune commode, mais on est en avance sur le timing. Donc c'est pas mal. Je vois qu'il commence à bosser là. On va boire un coup. Ah, un appareil multifonction ici, là. Allez, les gars, c'est bien. On n'est pas en retard pour l'instant. Les commodes sont presque finies. Il en manque encore 6. Je vais peut-être pas les livrer parce que ça va me prendre des employés. Attention à ce que dans la dernière étape, on ne perde pas de temps. Ouais, c'est bon. Ça assemble ici aussi. C'est parfait. Celle-là n'est pas réparée encore. Et ici, ça va, les machines. Ok. Il y en a plein qui s'ennuient, on dirait. Ouais, je les vois tourner en rond là. Allez, allez bosser les gars. On est à 56%. Là, ils attendent quoi? Je sais pas. Ils attendent un petit morceau, planche en bois.
qui doit se faire quelque part par là. Voilà, je crois qu'il les a amenés ici. Ouais, il est allé voir ce qu'il fallait. Voilà, il leur amène ce qu'il faut, je pense, là. Voilà, une étagère qui est sortie. Deux, il y en a deux qui sont sortis. Il les stocke là et il les met à l'export ici. Parfait, on est à 70. Ouais, c'est bon. Oh, c'est retombé à 68. Allez, les gars. Ce sont les postes de colle, ça. Ouais. On utilise beaucoup la colle. Les salles de pause, ça va. On n'est plus à la dèche. Alors, bien sûr, je vais rapprocher tout à l'heure ces tables-là. Mais. Pas pour l'instant. Le fait de rallonger le couloir, ça me permettrait de mettre une porte également, agrandir les zones de stockage. Mais je voudrais avant tout finir ce défi. Il me manque 4 étagères. Ça va devenir bon. Allez, 90%. Après, il serait bien de lancer un truc qui fasse du métal et du plastique également, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les outils, les matériels. On a presque terminé les étagères. Ouais, c'est bon, c'est bon. Livré. Hop. Bon, je pense qu'il va être content. Voilà, livrer ça. Après, on livrera les étagères, les commodes, pardon. Voilà, ça y est. Yes. Et on a augmenté l'expérience qui nous a permis d'avoir. Non, rien du tout. Je pensais. Ah! Niveau 2, beau travail. Donc, dans les récompenses, ici, il faut une réputation de niveau 3. On n'y est pas encore. Il va falloir se bouger un peu plus. Faire davantage de défis. Là, on a fini la période, on va voir. Mais j'aimerais bien quand même remodeler un petit peu cette pièce-là. Là, la faire au maximum jusque là, voilà. Et démolition de ça, voilà. Hop, allez. Tant qu'on a des sous, on en profite, on fait ça bien. Ok, ils vont arriver. Les étagères, je vois, c'est pas fini. On est monté dans le classement du Ferb, on est 11e. Bon, ça va. Voilà, comme ça on va pouvoir redisposer tout ça, quitte à doubler certaines machines. Ça c'est quoi ça? C'est une découpeuse plasma. 6 circulaires, 2 6 circulaires qui sont reliés, ouais, par un panneau de tableau d'affichage. Peut-être que ça vaudrait le coup de doubler ces choses-là. Allez, c'est bon. Ils bossent les petits gars. On a presque fini les commodes hautes. Super. Alors, un camion est arrivé. Ouais, c'est pour les employés. D'accord. Je vais juste déplacer ça. On va le mettre là. Ça.
On va le déplacer là. Le pot de fleurs aussi, on va le mettre là. Voilà, et ça aussi. Ok, le tableau d'affichage, lui aussi, je voudrais le déplacer, le foutre dans le coin là-bas. Voilà. Comme ça, il nous gênera pas. Très bien. La zone là. Ah ben tiens, je peux déplacer ça. Hop. Voilà. Cette zone, on va pouvoir la modifier, l'agrandir un peu jusque-là. Parfait. Voilà. Venez enlever ça, s'il vous plaît. Et on va redécaler ces trucs-là. Je ne peux pas parce que il y a un truc dessus. Lui, je peux. Donc, on va le mettre là. Voilà. Quand ils auront fini avec celui-là, ça ira mieux. Ok. Là, éventuellement, j'aurai une porte lorsque j'agrandirai un petit peu l'usine vers le bas. Bon, c'est bien, on a de la place. Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre une petite étagère quelque part là? Ouais, on va faire comme ça. Très bien. Hop, les commodes, on livre avant que le prix descende. Parfait. Ah, limace cérébrale. Zut. Alors, il y en a qui sont atteints par des limaces. Ben alors, les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, il y en a une là. Il y en a trois. Hop. La deuxième est là. Et encore une troisième. Qui c'est qui a une limace dans le cerveau? Là. Et hop, plus 5 000. Très bien. Alors, on n'a plus que les outils de cuisine multifonction. Donc, on va refaire. Voilà, là, ils sont en train de. Bah, il y en a déjà deux de près. Ok, on va refaire un contrat. Qu'est-ce qu'il y a? On a encore des défis. Les tabourets avec Svekia. Pourquoi pas? 15 unités, 11 000 en 3 jours. Why not? Ça fera un petit peu de métal à travailler. Ouais, donc ici on aurait quoi? C'est quoi ça? Les pieds. On va les faire en fer. Il faut 2, 9, 13. On n'a pas accès aux matériaux évolués, élaborés. On va prendre comme ça. Là, on va prendre le plus haut qu'on peut. Là, on peut pas. Hein. Ah, si, on peut. Mais ça demande une machine, donc qu'on n'a pas. Waouh! 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 On va essayer 30 opérations de coulage. On va faire comme ça, 9-13. Voilà, on est au minimum partout là, donc on peut prendre les matériaux de 9-13. On a exactement les matériaux qu'il nous faut. Ça, c'est quoi? C'est un tour avancé. Ouais, on peut se le permettre, le tour avancé, il est là. C'est du bois, donc on va le mettre quelque part par là. Moins 16 à motivation. Ok, on le commande. 4 000 dollars. Revenons à notre plan. 60 opérations, 12 heures de collage. Ouh. Je pense qu'on a plutôt intérêt à en mettre deux.
Voilà, la motivation de la pièce, elle est horrible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? J'ai pas mis de plantes comme ça, plus 20. On est encore à moins 12. Il faut absolument monter ça. J'ai déjà mis de l'eau, ça fait plus 30, ça ferait plus 15. Le ventilateur, c'est pas assez. Là, ça ferait plus 20 si je rajoute ça. Allez, on va le mettre. Commander. Voilà. Ok. Voilà, le matériel va arriver. Il faut rajouter, je pense, un panneau d'affichage ici, sur lequel on va lier les deux tours. Là. Là. Et celui-là, on peut également le lier, je pense, à ce tableau d'affichage. Ouais, c'est bon. On est à motivation 8. Ok, ça, on va le déplacer. Bon, pour l'instant, non, je ne vais pas le déplacer. On va voir. Alors, il va falloir de la forge, il va falloir du collage et de la coupe droite. Ok, alors pour la coupe droite, on va la faire. On a le choix. Et je pense qu'on devrait plutôt la faire avec ça. Il y a bien les deux. Ouais, on va les faire là. Les opérations de collage, on n'a pas le choix. On va les faire là. L'espèce de fonderie, je sais pas quoi, la moulure. Ok, on va pouvoir les faire là. La coupe ronde là, ici, on va la faire là. Et ça va venir ici. Et ça aussi. Là, il y a pas mal d'opérations de montage. Ok, on en a 15 à faire et on a combien de temps? 15 jours. Et il nous dit qu'il faut en tout 11 jours de temps de travail. Non, livrable 15. Pas mal d'opérations de tour avancé. Heureusement, j'en ai mis deux. Il y a deux tables de collage, ça ira. Le reste, ça ira, je pense. Ok, on revoit juste le truc. 15 unités en 3 jours. Et là, il me dit quoi? 11 jours. Non, 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 non. Allez, on le lance et on le met en priorité élevée. Voilà. Ah, il livre la table de montage. Non, pas encore. Wow. Oh, zut. Il faut que le camion parte là. On est en retard déjà. Je répète, pas dû le lancer de suite. Là, il amène quoi? C'est la table de montage là. Oh zut, on perd du temps. Ici, il faut qu'il dégage avec son camion là. Allez mon gars, vire. J'aurais peut-être dû attendre un peu avant de lancer ce défi. C'est pour Svekia. Ouais, parce que j'aimerais bien réussir les défis, les mettre là. Bon, c'est déjà pas mal. On est pas mal en retard là. On n'a que 3 jours pour tout faire. Les gars, il va falloir se bouger un petit peu. Ouais, ça commence. On va réparer un poste de colle. Même les deux, on n'en a pas besoin pour l'instant. On déplacera les machines plus tard. Là, ça va. Allez, on commence à rattraper un petit peu là. Ça serait bien. Les gars. Ouais, on commence à rattraper le retard. Voilà, on prend un tout petit peu d'avance. C'est pour Svekia, on rigole pas les gars. Bon, ça marche. Les machines tiennent le coup, on est pas mal en avance. Plusieurs appareils multifonctions sont prêts là. Les tables, ça va. Il y en a une que je pourrais éventuellement décaler, la mettre là. Voilà.
Ok. Faut surveiller la salle ici, là, parce que les postes de collage vont être pas mal sollicités. Bon, je vois qu'on a pas mal d'avance là, c'est très bien. Il faut faire des défis. Allez, on active. Voilà, il utilise le tour avancé. Beaucoup d'opérations dessus, mais ça va. Ça va, il s'use pas très très vite. On va réparer celle-là. Les postes de colle, ils se détériorent assez vite. J'aurais plus qu'à redisposer un petit peu les machines là. Mais pas pendant un défi. Plein d'appareils ici qui sont prêts à être livrés. On va pouvoir le faire, hein. 32. Ok, ça marche. 71%. Après, il y aura un petit peu d'assemblage. Il y a encore des outils multifonctions, je vois, avec des petits couteaux, des petites hachettes là. Il va falloir libérer les places, les gars. Voilà pour les tabourets. Ça court, ça court. Très bien. Allez, vous avez la place. Un stockage, on en a 3, 4, 5. On en a 9, 10. Allez, plus que 5 et on est bon. Je pense qu'il y aura suffisamment de quoi stocker. Ici, les machines, elles tiennent le coup. Ouais, ça va. Ça va assez vite. 95%. On a bientôt fini ce défi. Super. Allez, plus que 3 tabourets et on est bon. Plus que 2. Il n'y a plus de place de stockage. 99. Allez, on y est là. Ça y est. Et on livre nos petits tabourets. Après, on livrera les 13 machines robots qu'on a. J'aimerais bien qu'on gagne des points de façon à débloquer la deuxième zone de chargement-déchargement. Et d'ici là, ouais, je vais réduire un petit peu les zones là, rapprocher le mur par là pour avoir une zone un peu plus grande de stockage initial. Très bien. On va réparer les quelques machines qui ont servi là. Voilà. Hop, tout ça. Ouais, super. On est content. Nickel. On n'a rien gagné encore, mais on est content. Très bien. Ici, est-ce qu'il y a des machines à réparer? Oh oui. Voilà, on va tout réparer avant de relancer quoi que ce soit. Ok, là ça n'a pas servi. Là, on va réparer les tables le maximum pour repartir propre sur de nouveaux contrats. Voilà, très bien. On a 14 trucs, on a 39 000 en caisse. Attention, le prix va chuter, donc on les vend vite avant la fin de la période là. Ok. Allez, ça va nous faire pas mal de fric. Allez, très bien. Charger les petits robots. On investira dans des chaussures antidérapantes parce que je vois qu'ils se cassent la figure là régulièrement. Voilà, c'est bien, elle a ramassé. Allez, 16. Bon, ben finissez, hein. Il n'y a plus grand-chose à faire, les gars. On est bien, et il n'y aura plus qu'à trouver de nouveaux contrats. Les machines sont propres, tout. Parfait. Bon, ben les amis, je vous donne le rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. Je pense qu'on va agrandir la salle de pause, refaire peut-être deux ou trois salles ici. On a encore de la marge là avec le couloir. Ouais, il y a plein de choses à faire encore. Allez, portez-vous bien. Je vous donne le rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.